Salut, Tio. Cathy de Cathy. Oui, Tio, il y a quoi? Je te trouve très belle. Pourquoi les belles choses de ce quartier ne sont que pour une femme? Tu me traites de choses? Non, c'est un lapsus. Dis, Cathy, je peux t'inviter cet après-midi boire du bon vin et manger du beignet haricot chez mamie, faut pas. En quel honneur? C'est une invitation. Tu es une très belle femme et moi un beau garçon. Beau? Il y a quoi de beau sur toi, Tio? En tout cas, je ne perdrai pas davantage mon temps avec toi. Mes parents m'attendent. Cathy? 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 Tu pars, hein? Ok. Dans ce quartier, je serai également héritier bailli un jour. Mon bailleur, merde, tu es chaud à mort. Merengue, tu as vu le bailleur? Wow! Kenfak, tu es frais comme une cape. Prends place. Tu te sais un peu le couscous. Merci les amis. Cathy, tu es de plus en plus jolie, hein? J'étais d'abord laide. Pourquoi réponds-tu à Kenfak sur ce ton? C'est un bel homme. J'avais faim comme ça. Tu as avalé le couscous là en un temps record. Bon. Je suis venu vous informer que demain c'est le dernier délai pour payer votre loyer. Si demain vous ne payez pas mon dû, je viendrai vous mettre à la porte. Demain à 10h précises. Et notre couscous alors? Vous voulez me corrompre avec du couscous? Non, mon fils. J'espère que vous m'avez bien saisi. Bon. Merci quand même pour votre couscous. J'ai besoin d'un peu d'argent. Mokutante Naïna, la princesse, elle a besoin d'argent. À ton âge, je dois encore te donner de l'argent. Hein, ma belle-fille? Ma paresseuse de belle-fille. Mais trouve-toi du boulot. Ou du moins un homme qui peut te sortir de chez ton père. Tu sais très bien que je suis à la recherche d'un boulot. Ce n'est pas facile ici à Douala. Cela fait 6 mois que tu cherches du travail. Quel genre de boulot veux-tu? Ministre, directrice d'entreprise, ma belle-fille, on commence par le bas pour atteindre le sommet. La voisine a besoin d'une nounou.
mais va postuler. Moi, nounou, donc je vais passer ma journée à laver les cacas de bébé et entendre leurs cris. Non, je ne peux pas. Pourquoi, ma belle-fille? Je ne peux pas. Pourquoi tous ces vacarmes? Je vous invite de vous calmer. Nous devons entrer en prière. Bientôt, qu'un fac sera là. Et alors? Quand Kefa nous trouvera en séance de prière, il n'aura pas le courage d'attendre pour nous demander de l'argent. Il va s'en aller. Et il reviendra après. Mais nous aurons réussi à le semer pour aujourd'hui. Ok, on y va. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, le grand pourvoyeur, nous voici devant toi aujourd'hui, papa. C'est toi qui nous aides toujours à payer nos loyers. C'est toi qui nous aides pour la santé, pour le repas. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Plus fort. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous donnes toujours la force. Amen. Tous les matins. Amen. Amen. Parce que tu es Dieu miséricordieux. Parce que tu es la fin de l'homme. Tu es bien de bonté. Ils sont toujours personne en comme toi. Là, à la colère riche en bonté. Okay. Merci, Amen. Seigneur. J'arrive. Tu nous es toujours préservé. Je reviens. Tu nous es toujours gardé. Merci parce que tu nous accordes la grâce tous les jours. Pour tout ce que tu fais dans notre Amen, vie, papa. Amen, Amen. Ça va. Il est bien parti. Mon ami le bailleur. Ça dit quoi? Je suis là. Dis-moi, on pourra me sortir ce soir? Avec quel argent? Andome et sa famille cherchent à me duper. Ils t'ont pas payé. Où ça? Depuis hier, quand j'arrive chez eux, ils sont toujours en prière. Mon ami, c'est une stratégie qu'ils ont mis sur pied. Dès qu'ils entendent tes pas, ils se mettent en prière. Et quand tu t'en vas, boum, ils s'arrêtent. Donc, retourne là-bas. Tu marches discrètement. Nayo. Tu vas les surprendre. Ils seront plus en train de prier. J'y vais, ne sais pas. Toi, il faut avoir les amis comme moi. Toi, tu es du bête. Où tu crois quand tu as l'argent, c'est... Je vais te dire que tu es sage. Es-tu certain qu'il est parti? Ne me dérange pas. Je pense qu'il est parti. S'il vous plaît, si vous avez terminé, faut me dire. Je dois aller chercher du boulot. Ne nous fatigue pas. On se bat pour conserver le toit sous lequel tu dors. Je pense plutôt que vous deviez vous battre pour payer le loyer à temps. Taisez-vous. Je pense que j'entends des pas. Chef, cette famille me doit 3 mois de loyer. Et chaque fois que j'arrive ici, ils sont en prière. Ferme la porte là. Comme c'est la maison qu'ils veulent. Ouais. Mon fils Kenfak. Ouais. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça, je vous en prie. Chef, je vous en prie, ne faites pas ça. Je ne suis qu'un pauvre retraité. Pardon, ne faites pas ça, chef. Ne faites pas ça, je vous en prie. Kenfaf, tu veux réellement fermer ma famille dans la maison à cause de 90 000 francs. Ah, ferme ça. Les jeunes filles de ton âge se battent là-bas dehors pour subvenir aux besoins de leur famille. Toi, tu es là, tu montes, tu descends, on ne sait pas ce que tu cherches. C'est ma vie privée. Chef, dégage les trucs comme ça. D'accord, c'est bon, écoute. Meringue, va prendre l'argent qui est sous le lit là, c'est dans une enveloppe. Et tu viens donner au bailleur. Donc tu avais l'argent. Anka, dépêche-toi là-bas.
prochainement, il va encore dessus, tu verras. Chef, allons. Donc, souffre comme ça alors que tu as l'argent. Mais quoi? Il faut qu'on te souille toujours comme ça. Tu as mérité. Quoi? Donc, je ne dois pas avoir de l'argent à garder. Thank you.